Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, supporters, supportrices de l'Olympique de Marseille. Bienvenue dans ce Talk Mercato, dans ce cinquième numéro du Talk Mercato. Nous allons parler Mercato avec toute mon équipe. Et voilà, alors, qui je vais présenter avec moi. Donc j'ai Samuel, Quentin et Tom. Les gars, ça va, vous allez bien? Ça va très très bien, et toi Tristan? Ça va super. Ça va, nickel. La forme, surtout quand on parle de l'OM. Hein. Ah bah attendez, à qui dites-vous, messieurs? Ça me fait très plaisir de faire ce mercato avec vous. J'espère que la qualité du son est bonne. J'espère que tout se passe bien et que tout le monde nous entend bien. C'est parfait. C'est parfait. Nickel chrome. Nickel chrome, nickel chrome. Nous sommes déjà 20. Ça me fait super plaisir parce que c'est vrai, ça ne nous est pas souvent arrivé d'être 20 sur une lancée de talk comme ça. Je suis très très content. J'espère que ça va continuer et j'espère que tout va bien se passer. Alors messieurs, on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet et je vais ouvrir avec une information qui est en train de filtrer ces dernières heures. C'est sûr, bien évidemment, notre bien-aimé, notre chouchou, j'ai envie de dire, Paul Lirola, qui se rapproche de jour en jour de Marseille. On l'aperçoit du côté de la Canebière, on le voit, il est pas loin, on le sent, on n'en peut plus. Il vient quand? Tu vois, c'est ce que je viens de te dire. Qu'est-ce qui se passe? Faut que... Quand est-ce qu'il arrive? On attend plus que ça. La Fiorentina, il nous rend fou, là. Faire cogiter pour 1 million, 2 millions, 0,500 000 euros, c'est bon, à un moment donné. Polo, il veut venir à la maison. Faites-le venir à la maison. Moi, j'ai envie de dire, Sam, prends ta voiture et va le chercher en Espagne. Et je suis à deux doigts d'aller le chercher. Bah, après, là, il est en Italie, hein. Tu sais, Paul Lirola, il est en Italie. Exactement, il a repris avec la Fio. Mais ouais, je suis à deux doigts d'aller le chercher. Hein. Je suis à deux doigts d'aller le chercher à Florence. Franchement, là je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et surtout que j'ai vu un peu des images de lui en train de partir en stage avec la Fiorentina. Je ne sais pas où ils sont partis. Il n'avait pas l'air très heureux, quoi. Donc, il faut vite que Pablo s'en occupe parce que dans pas longtemps, il va tomber en dépression, je pense. Bon, après, s'il tombe en dépression pour mieux rebondir chez nous, on attend que ça. Non, c'est vrai que je l'ai vu, il n'était pas bien. Il n'était pas en forme. Il était vraiment, vraiment triste. Il faut vraiment qu'il vienne parce qu'honnêtement, le mercato se passe très, très bien. Et c'est la dernière pierre à l'édifice pour que valider tous nos espoirs et toutes nos attentes parce qu'il a quand même fait une super saison l'année dernière. Ouais, il a fait une sacrée saison, hein, une sacrée saison. Je suis même à me poser la question, est-ce que c'est pas le meilleur latéral droit qu'on a eu sur la dernière décennie, quoi? Franchement, c'est... Après, on a eu JJJ qui avait été extraordinaire à l'année de dire ça. C'est terrible. Mais c'était sur une saison, alors que Lirola, c'est vraiment son talent qui parle pour lui à 23 ans. C'est dingue. C'est incroyable. C'est un joueur incroyable, Lirola. C'est un joueur qui va se projeter, c'est un joueur qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Il peut jouer tous les postes. Et... Ouais, il jouait latéral droit, mais il jouait ailier droit et il était plus haut que Thauvin, il était plus haut que les milieux de terrain. Enfin, c'était dingue. Il était partout. Ah, il était partout. Des fois, c'est milieu, à gauche. Et... Non, mais surtout, il faut aussi pas oublier de dire qu'il nous a fait oublier l'échec de Maël, Joachim Maël, qui aurait pu. C'est vrai qu'on l'a vu à l'Euro, donc si on dit, putain, c'est vrai que c'est quand même un bon joueur, on l'a raté de peu, mais on s'est dit, mais on a quand même l'Euro là. Donc, il nous a fait digérer l'échec du transfert, parce que si l'Euro là n'avait pas signé à l'OM et qu'on aurait vu, en plus de ça, Maël être extraordinaire pendant l'Euro, je peux vous dire qu'on les aurait eu à l'envers, hein. Heureusement que voilà, il nous a fait un peu oublier. Surtout que Maël, il est super fort. Hein. Oh, déjà à la Talenta, c'est un truc de dingue. Mais même à l'Euro, ça, je sais pas ce que tu as pensé, mais Maël est trop fort à l'Euro. À l'Euro. Il jouait à gauche à l'Euro et c'est le meilleur joueur de son équipe. Alors qu'il jouait à un poste qui est même pas le sien. Non, il était vraiment trop fort. Je vous ai mis juste une petite vidéo, les amis. Du but de Lirola contre Lorient, pour vous rappeler à quel point c'est un joueur extraordinaire. D'ailleurs, Paul, nous voulons te voir. Viens à l'OM, reviens à la maison. Et voilà. Vite, vite, vite. Et rappelez-vous. Non, après, voilà, si. Non, vas-y, Tom, dis-moi. Honnêtement, je pense qu'il va signer. C'est pas du tout une info, attention, mais je pense
qui va signer parce que les négociations persistent. L'option d'achat, alors on attend du dernier moment pour ne pas la lever, mais on continue quand même les discussions derrière. Le joueur, on sent qu'il, on dirait qu'il laisse plein de petits indices qui prouvent qu'il va absolument revenir, et tous les journalistes ont cette info-là aussi. Donc je pense qu'il va revenir après. La question, c'est quand et surtout à quel montant. Apparemment, la finance nette est difficile. Donc, À quel prix? Après, si c'est 12 millions, 12,5, 16 millions, voilà, on sera sur un prix que l'Irola vaut. Donc, dans tous les cas, que ce soit 12 ou 13 ou même 14, on va pas blâmer Pablo Longoria de ne pas avoir réussi à l'avoir pour ce prix-là. Ouais. Il y a un truc que je comprends pas, moi, c'est que de base, on est d'accord que l'option d'achat était à 12 millions. Oui. Ouais, si on renégocie à 12 millions, pourquoi la pas l'avoir levé direct en fait? C'est la question. Et après, moi je pense que c'est une histoire de paiement plusieurs fois. C'est sûrement quelque chose comme ça, parce qu'après il est pas bête Longoria. S'il a pas levé l'option à 12 millions, c'est qu'il y avait quelque chose qui ne plaisait pas dans cette option. Peut-être qu'il y avait un bonus, des bonus à ajouter, ou peut-être qu'il y avait, c'était 12 millions mais en une seule fois. Peut-être que là il veut négocier peut-être 12 millions mais payable en plusieurs fois. Enfin voilà, je pense que c'est ça. Après, c'est qu'un avis, hein. c'est pas du tout des infos. Oui, non, mais moi je pense que t'as raison. C'est littéralement ce qui se passe. C'est, il voulait pas payer 12 millions sec et il préférait payer 3 fois 4 millions ou quelque chose comme ça. Mais après, il y a aussi l'histoire de, tu sais, la caution de solidarité ou le pourcentage de solidarité reversé à son club de cœur. Ouais, ouais, c'est son club formateur. Oui, son club de cœur, c'est un peu comme son club formateur, excuse-moi. Mais il faut voir cette histoire-là aussi, parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre que l'OM puisse... Parce que je crois que la Fiorentina veut que l'OM paye cette caution-là également. Oui, oui, c'est ça, mais ça arrive très souvent. Hein. Mm-hmm. En fait, c'est des pourcentages à la revente qui se transmettent de transfert en transfert. Au final, c'est pas rare du tout. Non, bien évidemment, mais il faut juste, voilà, faut bien avoir tous les tenants et les aboutissants sur cette affaire. Bon, messieurs, je pense qu'on a fait le tour sur Paul Irola. Je veux juste faire une petite introduction sur lui. On va pouvoir passer au reste des joueurs que nous avons sélectionnés et auxquels nous allons parler. Simplement, pour les 21 personnes qui sont sur le live actuellement, n'hésitez pas, donc nous faisons gagner sur un jeu concours la serviette de l'Olympique de Marseille, donc la serviette qui est sur la boutique de l'OM.net, donc vous pouvez aller la voir, et nous la faisons gagner sur un truc très simple. Donc vous écrivez cadeau dans le chat, et à la fin nous ferons un tirage au sort, et à la fin de ce talk nous allons annoncer le vainqueur du tirage au sort. Donc n'hésitez pas, pour participer, rien de plus simple, écrivez cadeau dans le chat, et à la fin nous effectuerons le tirage au sort pour gagner cette magnifique serviette de l'OM, et en plus ces deux saisons, car nous sommes en été et nous allons tous bientôt partir en vacances. Donc surtout, n'hésitez pas, surtout, jouez, voilà, cadeau, on écrit cadeau dans le chat, et en espérant que vous ayez la chance d'être tiré au sort et qu'on vous offre cette magnifique serviette. Ceci étant dit, messieurs, nous allons passer donc, au premier joueur pour lequel nous allons débattre. J'ai nommé Adrien Truffert. Est-ce que Tom, tu peux nous expliquer pourquoi ce choix et pour toi, quelle serait la plus-value de ce joueur à l'OM? Bah écoute, pourquoi ce choix? Parce que déjà, ça fait 5 ans que Jordan Amavi n'a toujours pas eu de concurrence. Donc ça fait 5 ans qu'il est tranquille à l'OM, hein, il ne se rend pas trop la tête, lui. Du coup, il faut lui apporter une concurrence. Alors, moi, au début, je pensais que Longoria allait prendre... Enfin, je pense toujours que Longoria va prendre un joueur pas très cher ou un joueur en prêt. Après, moi, j'ai eu l'idée de Truffert, parce que, bon, déjà, il connaît un peu le championnat, vu que c'est un Français. Il est jeune, il est bon. Et c'est... Alors, à Rennes, il a joué, il a été pas mal, mais il n'a pas non plus été extraordinaire. Donc, peut-être qu'il pourrait avoir un bon de sortie cette saison. Voilà, donc il a réussi quand même à s'imposer assez tôt avec son club formateur, avec Rennes. Donc voilà pourquoi je propose son nom. Alors sa valeur, c'est 12 millions. Alors selon Transfermarkt, c'est 12 millions. Donc Transfermarkt, soit c'est un peu trop, soit c'est pas assez. Donc on va dire que c'est un peu trop, j'espère.
Comme ça, je sais pas, ça pourrait se négocier si vraiment il y a des négociations avec lui. Ça pourrait se négocier peut-être entre 10 et 15 millions. Mais après, le problème, c'est que Rennes, c'est un club français. Et généralement, les clubs français, ils n'aiment pas trop vendre à l'OM. Du moins, ils n'aiment pas trop vendre des joueurs à leur prix. Ils aiment bien les vendre un peu plus cher à l'OM. Que Rennes et Marseille sont concurrents directs pour des places européennes. Truffert a quand même fait une bonne saison. Je pense pas qu'ils sont sur le point de le vendre. Il était titulaire en équipe de France Espoir par rapport à Mavassa. Il a été titulaire sur la fin de saison du Stade Rennais avec Genesio. J'ai du mal à imaginer Rennes vendre Truffert à 10-15 millions à un concurrent direct, sachant que Truffert a à peine 20-21 ans. Ça me semblerait très surprenant de la part d'un club comme Rennes avec un international espoir français. Après, je vais vous avouer quand même que ce qui m'inspire, on va dire, c'est un peu ce qui s'est passé avec Melvin Bard. Alors, Melvin Bard, il est dans un club encore plus fort, donc il était à Lyon. Mais bon, il ne jouait pas énormément, mais bon, vous voyez quand même, c'était un très bon jeune. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord, Melvin Bard, c'est un très bon jeune. Ouais. Et d'un coup, transfert surprise à l'OGC Nice, qui pourrait éventuellement aussi être un concurrent, au moins pour l'Europe, à l'Olympique Lyonnais. Donc c'est vrai que ça m'a un peu inspiré. Après, c'est vrai que Rennes, peut-être qu'ils ont moins besoin d'argent que l'Olympique Lyonnais. Il y a peut-être un débat sur ça aussi. Mais c'est vrai que ça m'a inspiré. Mais voilà. C'est vrai que le transfert de Melvin Barre est surprenant, mais ouais, on n'est pas là pour parler de Lyon et de Nice, mais Truffert... De toute façon, il y a un latéral gauche qui va partir parce que Meling vient de signer à Rennes, donc soit Truffert, soit Mavassa devra sûrement céder sa place. Et justement, j'ai vu sur Mavassa que Mönchengladbach s'intéressait à lui. Donc, Tu vois, donc ça veut vraiment dire que Truffert n'est pas à vendre. Malheureusement. Ouais, malheureusement. Ouais. Après, c'est vrai que pour le coup, pour apporter une... Enfin, moi, je pense que Tom, il soulève un vrai sujet parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on apporte une concurrence à ma vie. Parce que c'est vrai qu'il est dans un fauteuil depuis un petit moment à l'OM et le gars ne se remet pas du tout. Alors certes, il a fait des bons matchs, il a fait une bonne demi-saison avant de se blesser, mais à un moment donné, c'est un club comme l'OM, on a besoin d'avoir deux mecs au top pour pallier à la méforme de l'un ou la blessure de l'autre, tu vois. Et ça il n'est plus rien à ma vie. Hein. Ah non, mais rien, complet. C'est pas sa faute, ça fait 10 ans qu'il est à l'OM et 10 ans qu'il n'y a pas de latéral gauche. D'ailleurs, on pourrait même le féliciter pour ça, parce que pour quelqu'un qui n'a jamais de concurrence, globalement, il a souvent été bon, sauf la dernière saison de Gardien, où il était catastrophique. Mais il a globalement toujours mouillé le maillot, au moins ça. Quoi. Ça, c'est pas faux. Après, il a un gros volume. Après, à ma vie, concrètement, enfin juste sur lui, il a un énorme volume de jeu quand même. Ça, moi, je trouve qu'on ne peut pas trop lui reprocher ça par rapport à ses performances. Non, mais il a un gros volume de jeu, il est extrêmement solide, il est rapide, il défend relativement bien avec beaucoup d'agressivité. Ouais, c'est un très bon latéral et je pense qu'il gagnerait à être accompagné d'un autre latéral de talent. Quoi. Bah, je crois que son dernier concurrent c'était Patrice Evra, il me semble. Bah non, c'était Nagatomo. Mais il n'est pas arrivé en même temps que Patrice. Je crois qu'il y avait Patrice Evra et après, à ma vie, il est venu à l'OM. À la base, il est venu pour concurrencer Evra. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Et après, il n'a plus jamais eu de concurrent. Alors, il y avait Bedimo qui était encore là, mais Bedimo jouait jamais. Et après, c'était son concurrent, c'était un peu Sakai. Et Nagatomo, même pas, je le considère. Alors, officiellement, c'est un concurrent. Hein, mais C'était un suppléant plus qu'un concurrent. Ouais. Il n'est pas venu en tant que concurrent, il est venu justement si jamais Amavi se blesse. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. C'est terrible. Plus que prévu. Non, mais moi je pense qu'il est venu parce qu'il faisait beau à Marseille, tu vois. Je ne suis pas sûr que c'est que ça. Je pense que Nagatomo, je pense que c'est un joueur qui a besoin d'une grosse prépa physique pour être vraiment prêt. Il est arrivé un peu comme ça. C'était compliqué il est arrivé dans une saison aussi où l'équipe tournait mal, enfin tournait relativement mal on va dire, avec très peu de jeux, très peu de circuits, etc. Et c'était dur pour lui de s'adapter, sachant qu'il ne pensait pas être titulaire toute l'année, il a été titulaire quasiment 6 mois, c'était pas facile. Ah non, bien sûr, mais attends, mais rappelle-toi, il nous a fait des trucs catastrophiques quand même, on les a débriefés les talks avec Nagatomo.
Ah bah Nagatomo, c'est un autre moyen, Nampeo, ça doit être à 2,5 ou à 3, grand max. Ah ouais, moi je suis d'accord, ah. Ouais. Après, pour revenir sur Truffé, franchement, c'est un joueur intéressant, c'est un joueur qui a quand même montré de belles choses du côté de Rennes et en équipe de France Espoir. Mais comme le dit Sam, je le vois très mal atterrir à Marseille. Malgré que ce soit très bien pour la concurrence et qui serait très bien pour peut-être suppléer un départ d'Amavi dans un ou deux ans. Mais après, je le vois très mal atterrir à Marseille et oui. Pour une somme de 10-15 millions. Je pense qu'on est au-dessus. Ouais, ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je pense que... Et même, je pense qu'il est invendable à l'OM. Je pense qu'il préfère ne pas le vendre que le vendre à l'OM. Tu vois. Après, il reste très intéressant. C'est un joueur super. C'est un bon potentiel. Ouais. C'est pas mal. Ça, moi je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que je pense que Truffert. Après, oui, malheureusement, il ne reviendra jamais à l'OM parce que Rennes ne le vendront pas. Mais pour le coup, je pense que c'est une bonne idée de Tom d'essayer de nous le suggérer. Ah oui. Ah ouais, non, mais clairement, c'est un joueur que j'adorerais voir à l'OM. Et oui. Impossible, hein. Mais d'ailleurs, on pourrait même faire un débat parallèle, c'est-à-dire pourquoi maintenant on n'ose même plus s'intéresser aux joueurs de Ligue 1. Ouais, limite. Les Ligue 1 ne veulent plus vendre à l'OM, tout simplement. Alors qu'à Lyon, ils vendent. Je suis désolé. Alors, je vais faire un peu le complotiste Ligue 1, quoi. Mais Lyon, ils vendent volontiers. À Marseille, je sais pas. Alors, soit c'est Marseille qui s'y prend mal. Je sais pas, hein. C'est aussi une hypothèse. Toi, les clubs, quand c'est l'OM, tiens, c'est l'OM. On a vu avec Rongier, hein. Rongier, c'est pas pour rien que les négociations ont duré jusqu'à J+1. Pourquoi? Parce que, à chaque fois, on nous prenait pour des pigeons. Et d'ailleurs, on a été des pigeons. Bon, tant mieux, parce que Rongier, j'aime bien ce joueur. Mais voilà, on nous demande toujours plus. Et c'est pas pour rien que pratiquement tous les joueurs français de notre effectif, il n'y en a aucun qui vient d'un club français. Ils viennent tous de l'étranger, pratiquement. À part Pabstein qui est arrivé libre. Il est arrivé, donc c'est même pas de Watford, en plus. Bah non. Il a cassé son contrat à Watford, mais ouais, mais il était à Le Havre. Il a fini sa saison à Le Havre. Il est arrivé libre, en plus. C'est pas Le Havre. Ouais, il est arrivé libre, c'est tout ça qui est... Il aurait pas été en fin de contrat, je pense qu'il serait jamais venu à Marseille niveau concurrence. Hein. Ouais, le prix, il aurait été exagéré. Ça aurait été un 10-15 millions pour un joueur qui a jamais joué en Ligue 1. On l'a vu avec plein de joueurs. Hein. Marcus Thuram, qui était censé arriver pour 20 millions, qui a été vendu pour 10. Minadli, qui était pressenti pour partir entre 5 et 10 millions à Milan et qui a été vendu, enfin qui aurait pu être vendu à 10-15 millions à Marseille. Voilà, il y a toujours deux poids, deux mesures. Mais ouais, c'est. Là, tu parles d'Adli, mais même il y a un autre Adli aussi qu'on essaie de faire venir à l'OM. Apparemment, c'est une galère sans nom, ça c'est compliqué aussi. Hein. Ah, mais c'est mort, je crois. Là. Ouais. Enfin, j'ai l'impression qu'il est même plus sur les tablettes. Ouais, je pense. Donc, que je vois plus aucune info sur lui. Hein. C'est, on l'a oublié, je pense. Mais est-ce que c'est peut-être une stratégie de Longoria qui estime qu'il va peut-être attendre les derniers jours du mercato, en espérant qu'aucun autre club ne fasse vraiment une vraie proposition pour Adli et au final que l'OM le repêche tranquille pour pas très cher. C'est peut-être une stratégie. Après, le mercato, il est loin d'être fini. Hein. Moi, j'ai vu un truc passer il n'y a pas longtemps, c'était que apparemment, Longoria, il voulait faire un mercato pour la préparation, et après la préparation, voir ce qui se passait, voir ce qui manquait, et finir le mercato sur ça. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Ça. Après, le joueur arrive sans préparation, on a déjà vu ce que ça a donné avec certains joueurs, et c'est pas top. C'est ouais, pas après, il y a des joueurs qui arrivent sans prépa, on a vu aussi qu'ils réussissent. Voilà, une recrue, elle n'est pas faite pour réussir forcément tout de suite, surtout quand elle est jeune. Tu vois, Amine Adli, s'il arrive à Marseille, on va pas lui demander de réussir, d'être joueur décisif en 2-3 matchs. Voilà, l'idée de ce genre de joueurs, c'est de les avoir sur le long terme. On a vu avec Rongier, qui a été instauré vraiment au fur et à mesure. Je trouve que la gestion du cas Rongier avait été parfaite par Villas-Boas. Ouais, voilà, c'est ce genre de gestion qu'il faut avoir. Voilà, un jour, on le recrute. S'il n'est pas performant tout de suite, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit performant sur le long terme. Après, voilà. Après, moi, je le vois comme une doublure de Payet. Hein. C'est comme Almada, s'il vient, pour moi, c'est une doublure de Payet. Pour le moment. Oui, Almada, surtout. Parce qu'Adli, c'est plus doublure de Under. Ouais, s'il vient. Oui, en vrai, ce qui est bien qu'Adli, c'est qu'il peut jouer un peu partout sur le fond de la tête. Il pourrait même suppléer Milik de temps en temps. Mais il a joué buteur en plus à Toulouse. Ouais, mais il joue à deux pointes, il était très souvent à droite quand même. Après, il est petit, c'est un petit gabarit, je crois.
Non, non. Il n'est pas petit. Il est surtout très fin et très, très agile, quoi. C'est... Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment petit, mais c'est un joueur plus... pas forcément bon de la tête. Ouais. C'est un mec qui va se refiler sur. Ouais, c'est pas. 1m80. 1m80? Ouais. Ouais, ça, ouais, ça reste quand même. Ça va. C'est une bonne taille. Après, pour Jean-Pointe. Ouais, un petit joueur. Bon, messieurs, c'est compliqué. On va refermer le chapitre Adli. Donc voilà, Truffert, Tom nous a présenté Truffert de fort belle manière. Donc voilà, à voir si un jour Longoria ou a la bonne idée de le faire venir. Le prochain joueur que nous allons présenter, je vais être super honnête, je ne le connaissais pas. Honnêtement, là, je ne le connaissais pas, je vous le dis. Et je vais pas prendre le risque de prononcer son nom parce que je vais l'écorcher. Je vais laisser les spécialistes faire. Sam, nous t'écoutons. C'est Pavel Kaderabek, latéral droit tchèque de Hoffenheim, qui est parti du Sparta Prague de son pays natal pour aller jusqu'à Hoffenheim en Allemagne, avec qui il a effectué une très belle saison. Voilà, c'est un joueur qui serait une superbe doublure à Lirola, parce qu'il est très offensif. Il a le même style de jeu que lui. Voilà, si Lirola n'est pas là pour un match face à Angers, hein, Kaderabek, c'est vraiment une super opportunité, il est très décisif, il a fait 4 passes D cette saison en 20 matchs de Bundesliga, mais surtout dans sa carrière, il a marqué 7 buts et délivré 22 passes D en Bundesliga dans sa carrière, en 158 matchs, pour un mec qui joue latéral droit, c'est gigantesque. Voilà, c'est un mec très offensif, qui est capable aussi d'évoluer en piston droit, selon les systèmes dans lesquels il peut évoluer. Voilà, c'est vraiment bien, il est international tchèque, il était titulaire à gauche, de la défense, voilà, il est capable d'évoluer à gauche. Il était titulaire à gauche de la sélection tchèque lors de la victoire face aux Pays-Bas. C'est un mec, voilà, bon, il a 29 ans, il est bien plus âgé que Lirola, mais c'est un mec qui, voilà, en doublure, moi je dirais vraiment pas non, c'est un joueur que j'apprécie, que j'ai vu pas mal de fois cette saison avec Oppenheim, qui a développé un jeu très offensif. Et voilà, il a 48 sélections avec la République tchèque. C'est vraiment un mec qui, à moindre coût, pourrait apporter beaucoup à l'OM. Il est évalué à 8 millions d'euros par transfert. C'est un super joueur, je l'ai déjà vu jouer, c'est un super joueur. C'est un droit très 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 bon et en plus ça apporte de l'expérience sur le côté. Ouais. Il paye pas de mine en plus, voilà, il est assez grand, il est pas immense, mais pour un arrière-droit, voilà, il fait 1m82, il est assez nonchalant, mais en même temps il va très vite. Ah, il apporte beaucoup sur les côtés. Il fait très très mal aux défenses et quand si t'as pas Lirola, si t'as Kaderabek, c'est bien. C'est un super fait de balade, c'est à droite serait le feu pour remplacer Lirola. Ouais, ouais, de Sakai, c'est un tout autre niveau là. Ouais, c'est carrément autre chose, voilà. Sakai c'était surtout un joueur. Dimension. Ouais, c'est carrément autre chose. Sakai il était très complet, mais il était ni très bon devant, ni très bon derrière, alors que Kaderabek, voilà, c'est un latéral très offensif. Il laisse beaucoup d'espace dans son dos, mais c'est un joueur qui, devant, va bombarder. Ça peut être intéressant, ça peut être une bonne recrue. En plus, à 7 millions, ça peut complètement se faire. Ouais, 7 millions. Après, il n'y a aucune... C'est pas une info. Ah, hein, non, non, non. Attends, mais précisons que les joueurs sur lesquels on s'appuie, c'est des idées qu'on a. Et c'est des souhaits qu'on peut avoir sur des profils qu'on pense. C'est pas du tout des infos. Commencez pas à dire ouais, Kaderabek à l'OM. Non, non. C'est des infos, c'est des joueurs qu'on aimerait bien. En fait, là, on appelle à notre sensibilité à chacun. Ouais, ça, c'est des coups de cœur. Hein, ouais, exactement. On marche sur le truc. De se mettre à la place de Pablo Longoria. Ouais. Voilà, c'est ça. Si on était Pablo Longoria, on aimerait recruter. Enfin, moi, j'aimerais en tout cas recruter Kaderabek en doublure, en abysse même, je dirais, de Paul Lirola. Qui, comme les jeunes, pourrait aussi avoir besoin de souffler. C'est ça. Donc, tu t'appellerais Sam. Et Daniel 360 qui dit ça fait cher pour un joueur de 29 ans. Je trouve que 7-8 millions pour un mec de 29 ans qui apporte beaucoup à toutes les équipes par lesquelles il est passé, je trouve pas ça énorme. Hein. Je trouve que voilà, c'est les prix pour recruter des bons joueurs. 7-8 millions, c'est pas non plus exorbitant. On a mis 25 millions sur Gerson qui a 23 ans. Si on met 25 sur un mec de 23, pourquoi pas mettre 7-8 sur un mec de 29? C'est voilà, c'est les prix du marché, quoi. On va pas recruter que des mecs à 2 millions parce que après on va encore se retrouver avec des joueurs
de niveau, quoi. Ça, je suis d'accord avec toi, 200%. Mais oui, c'est vrai que... voilà, en tout cas, sachez bien que c'est pas des infos, c'est des coups de cœur. Donc, c'est des, voilà, c'est des coups de cœur des chroniqueurs et des sensibilités que chacun a sur, pour parler des joueurs, tout simplement. C'est important de mettre ça aussi en avant. Et puis, je sais pas si c'est un exemple, mais si une Uber comme ça arrive à l'OM, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu deux joueurs comme ça à droite qui seraient vraiment à un top niveau, qui seraient vraiment puissants sur le jeu? C'est, ça a changé, hein, parce que des concurrences comme ça, j'en avais pas vu beaucoup à l'OM, en tout cas sur ces dernières années. Non, c'est sûr, surtout sur les postes de latéraux où on a un bon à droite, on a toujours eu deux latéraux, mais voilà, Bounassar était solide, Saka était plutôt solide, mais c'était très inconstant, quoi. C'était des joueurs. Et là, si on a Lirola et Kaderabek, on monte vraiment en gamme. C'est clair. Moi, je suis d'accord avec vous. Messieurs, on va juste, après Kaderabek, on va parler d'un joueur dont lequel je voulais avoir votre avis. C'est pas une recrue, c'est un mec qui est là depuis début de saison. C'est Simon, le gardien de l'Olympique de Marseille. Je vais mettre une petite vidéo du dernier match de l'OM pour qu'on puisse, contre les Servettes, qu'on puisse regarder un petit peu. Et je voulais avoir votre avis sur Simon, qui fait pour moi 2-3 bons matchs de prépa, de très bons matchs. Donc, est-ce que vous pensez que ça peut devenir une doublure crédible? Ou pour vous, c'est trop juste encore, il n'a pas le niveau, pas le potentiel? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez un peu de ce joueur? On ne peut pas dire que ce serait une doublure. On a recruté un gardien il y a à peine deux jours. Là. C'est sûr que cette année, ce ne sera pas doublure. Après, sur le long terme, si on le prête voilà, cette année en Ligue 2 nationale, qui prend des matchs, qui fait des matchs, qui joue une saison complète en tant que titulaire, que ça se trouve bien pour lui dans un club. Peu importe, hein, que ce soit en France ou ailleurs, d'ailleurs, je dis en Ligue nationale. Pourquoi pas en D1 belge, en D2 belge, en D1 suisse, voilà, dans des clubs comme ça. Moi, je pense qu'il a montré de très belles choses sur sa ligne. Il a l'air d'être un très bon gardien. Il a fait une petite boulette, on va dire. Je ne vais pas le répartir une boulette, parce qu'il était un peu abonné par sa défense. Une petite erreur face à Servette. Mais franchement, T'es dur. Non, c'est un joueur que je trouve. La boulette. Je suis pas dur. Tu parles de quoi? Tu parles du but. Juste que, bon, ouais, le but concédé de Rodelin, il est un peu bizarre, son plongeon. Mais c'est juste ça. Franchement, il a fait beaucoup d'arrêts, il était très solide. Et j'étais agréablement surpris de son niveau. Mmh. Enfin, le but de Rodelin, c'est. Je ne mets pas la faute sur Simon, c'est non, moi non plus, la défense qui est mal placée. Hein. Non, attendez, vous après... l'avez écouté. J'ai pas dit que c'était la faute de Simon. Non, je sais. J'ai dit qu'il avait fait un plongeon bizarre. Oui, on commence à remixer les propos. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais après, tu sais, je pense que la frappe, elle frappe fort, elle part vite. Rodelin, c'est un bon joueur, tu vois, c'est pas un peintre. Je pense qu'il savait exactement où la placer pour mettre Simon en difficulté et il a marqué, tout simplement. Ouais, oui. Non, pour moi, il est pas spécialement fautif. Après, c'est pas non plus. Bon, c'est vrai qu'on aime bien s'enflammer, mais après, alors pour le coup, je suis favorable à ce qu'on donne la chance aux jeunes. Mais par contre, gardien de but, c'est un poste très, très spécial quand même. Surtout avec les 11 ans là, voire plus même, de Mandanda, c'est compliqué. La pression qu'il doit avoir, moi, je ne prendrais pas le risque de mettre un jeune gardien comme ça en numéro 1, voire même en numéro 2. D'abord, au pire, on le... Zéro saison. Quoi? Il a joué 0 saison en tant que titulaire dans un club professionnel. En numéro 2, c'est risqué, parce que imaginons Mandanda, et en plus, ça lui arrive de plus en plus souvent, il se blesse. On peut jouer des gros matchs avec Simon, j'ai rien contre lui, mais je préfère quand même qu'on voit un peu ce qu'il vaut en Ligue 2, même en National, hein, parce que même en Ligue 2, ça m'étonnerait qu'un club prenne le risque aussi de prendre en Ligue 2. Donc peut-être voir ce qu'il vaut à la longue, peut-être en National ou en National 2, je sais pas. En National 2, c'est vraiment faiblard. Non, en National 2, c'est chaud quand même. Bon, franchement, en National, dire National. Bon, on va dire national, ou en Ligue 2 déjà, pour voir ce que ça vaut en doublure Ligue 2. Mais c'est trop risqué, on peut pas prendre ce risque-là. Ah, moi, je suis assez d'accord avec toi. Au moins être dans une rotation de gardiens. On sait qu'il y a des clubs qui aiment bien changer de gardien, un peu selon les compètes, selon les trucs et tout. Moi, j'aimerais bien le voir dans un club où il a du temps de jeu, quoi. Le voir 5, 6, 7, 10 matchs. Sur une saison complète, quoi. Et sur la régularité, c'est ça qui est très dur à ce stade-là.
Et surtout, ça serait pas lui rendre service, parce que si jamais, imaginons, ben Mandanda se blesse, ou enfin, Paul Lopez, enfin, peu importe, Mandanda se blesse, le hasard fait que ça tombe, que Simon il joue contre le PSG, par exemple, il fait une boulette contre le PSG, je peux vous dire que sa carrière, elle est terminée. Hein. Je suis d'accord avec toi. Jamais, il reprend confiance. Je suis d'accord avec toi. Il est content à mettre longtemps. Jamais de la vie. Ça arrive jamais, ça, qu'un gardien soit blacklisté pour une boulette. Si le gardien est bon, il fout. Hein, déjà, on a une majorité d'écart. Voilà, c'est un poste particulier. Il a une carrière d'un gardien. Paul Lopez, il en a fait plein des boulettes en ce moment. Je parle pas de blacklisté. Lui, ça confie. Sam, demain, je te mets sur un terrain de football pour un gardien de but. Tu fais une boulette, après, je peux te dire que la confiance, elle redescend d'un coup. Là. Non, mais... Et un gardien qui n'a pas la confiance. C'est pour ça qu'il faut le prêter, justement. Qu'ils s'aguerrissent, qu'ils prennent vraiment une bonne dose de confiance. Non, mais moi, c'est vrai que les arguments s'entendent et se valent. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup Simon. Ça me fait plaisir de voir un gardien comme ça. Et j'espère qu'on pourra lui donner vraiment tout ce... Parce qu'apparemment, à l'entraînement, il impressionne vraiment tout le monde. Et ce serait bien qu'on puisse avoir de la continuité avec ce mec-là, parce que c'est un mec qu'on a formé. Et ce serait intéressant de le voir peut-être à un cran au-dessus. Et peut-être même en Ligue 2, franchement, s'il fait une saison en Ligue 2 avec n'importe quel club, ça pourrait être vraiment super intéressant pour lui. On le prête, comme a dit Sam et comme a dit Tom, et on voit ce qui se passe ensuite. Messieurs, avant de passer sur le prochain joueur, je vous redis encore une fois, pour participer à notre jeu concours pour gagner la serviette de l'Olympique de Marseille, n'hésitez pas, c'est très facile, écrivez cadeau dans le chat et à la fin, vous serez tiré au sort. Et à la fin du talk, nous annoncerons l'heureux vainqueur de cette serviette. Donc surtout, n'hésitez pas, cadeau dans le chat. N'hésitez pas à participer. Donc, une fois que nous avons fini sur Simon, je voulais attaquer aussi sur un autre joueur. Donc, son nom a circulé ces derniers jours. C'est Pavone, au niveau de Boca. Ouais. Donc, je voulais un peu avoir votre sentiment sur ce joueur-là. Est-ce que c'est une bonne pioche, pas une bonne pioche? Il vient du même club que Benedetto. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une super pioche, hein. Okay. C'est une super pioche, moi je trouve, parce que c'est un petit prix, c'est un gars rapide, c'est un gars qui a une bonne finition, il est passé par des clubs, enfin il a fait un parcours assez bizarre on peut dire, mais à ce prix-là je trouve que c'est une bonne pioche à gauche et pour moi c'est un bon joueur, il faut le tenter, je trouve ça pas mal. Okay. Moi je suis vraiment dans le flou concernant Pavone parce que c'est vraiment un pari un peu quand même. Voilà, bon, il a 25 ans, il n'a jamais quitté l'Amérique. Moi, je dis vraiment pourquoi pas. Je sais que Sampaoli l'apprécie et qu'il apprécie Sampaoli. S'il arrive, ce qui était censé arriver, ce qui est censé être quasiment fait dans les prochains jours. Censé être dans l'avion, là. Là, il est censé être dans l'avion, quand même, sachez-le. C'est vrai? Ah oui. Il fait pas son match avant? Comment? Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Il fait son match. Oui, non, mais ce que je veux dire. Il fait son match. Moi, ce que je veux dire, c'est que normalement, il est censé être. Enfin, normalement, comme tu as dit, Sam, il est censé arriver dans les prochaines. Enfin, dans les prochains jours, tu vois. Là, ouais. Là on nous l'annonce vraiment comme ça va se faire, quoi. Mais oui, c'est ça. Il doit faire un match et arriver ensuite. Alors, moi, c'est une énigme. Ce recrutement, un peu. C'est fou. Non, mais à mon avis, je vois pas d'autres possibilités, en fait. Je comprends pas. J'ai envie de dire à Pablo. Bon, je t'aime bien, t'as fait un bon mercato jusqu'à là. Pour l'instant, on est plutôt content de toi. Et là, qu'est-ce que tu fais? D'abord, concentre-toi sur les latéraux. Parce que là, on a qu'un seul latéral, de toute façon, pour l'instant, juste à ma vie. Il nous en faut encore trois. Concentre-toi sur ça. Ne va pas encore prendre un ailier. Pour l'instant, on en a, les ailiers. Alors, peut-être en mercato, si on peut ajuster tout ça, en prendre un autre, ok. Mais là, je vois pas trop l'intérêt de prendre Pavone, surtout qu'il n'a pas non plus une très bonne réputation, ce gars. Alors, il est bon, mais de ce que j'ai entendu, c'est un peu un Radonjić x2, quoi. C'est-à-dire, il est très bon, il a deux qualités, mais par contre, il est très irrégulier. Et en plus, l'intelligence n'est pas reconnue comme étant sa qualité première aussi, de ce que j'ai compris. Pour lui, c'est un joueur qui fait progresser les joueurs, un entraîneur qui fait progresser les joueurs, surtout sur ses aspects tactiques. Je pense que Sampaoli prendra pas le risque de faire jouer un Radonjić bis. S'il l'a sélectionné pas vraiment en Argentine, ça doit pas être pour rien non plus. Voilà, je pense que il doit avoir des qualités. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Après, sur le fait que tu dises qu'on a des ailiers, je pense que si Pavone arrive, on peut dire au revoir à Boga, on peut dire au revoir à Almada et à Adli. Hein. Je pense aussi. Je pense que
près des dernières recrues offensives, sans compter un potentiel attaquant de pointe. Peut-être un 10, ouais, je sais pas. Mais c'est un recrutement, justement, pour ça, pour ce qui se dit par rapport à Boga, pour ce qui se dit par rapport à Almada, que je trouve particulièrement spécial, quoi. J'ai été très surpris de voir ces infos-là. Après, j'ai une question pour vous. Vas-y. C'est que je viens de vérifier, c'est sa fin de contrat, c'est en 2022. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être trouver un accord avec le joueur et pour pas qu'il prolonge et le prendre libre en 2022? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pourquoi pas le prendre libre? Je pense que s'ils le prennent maintenant, c'est qu'ils le veulent maintenant. Hein. Je pense aussi. Ouais. S'ils sont pas libres en 2021, bah, il aura pas en 2021. Ouais, moi je suis resté là-dessus. Je pense que les Galaxies vont les revenir. C'est quoi, Quentin? Le LA Galaxy veulent faire revenir Pabon aussi. Ils sont dessus et apparemment ils veulent pas lacher, le joueur. Oh, le Galaxy, ça va. Oui, un train d'avance, mais il faut faire attention. Maël aussi, on avait un train d'avance. C'est vrai que Steven, qui expel là, qui nous dit que Pabon il est quand même dans des histoires judiciaires pas nettes. Hein. Ah ouais? Ah, Almada aussi. Hein. Je l'ai pas celle-là. Almada aussi. Ouais, il est dans des affaires de viol, de ce que j'ai compris. Oh là là! Ça me regarde. Mais bon, même pas sur aller à l'émotion, ça, c'est, ça n'a pas été jugé, donc ça ne nous regarde pas. Mais voilà quoi, c'est pas, j'ai pas trop confiance non plus, surtout que c'est une fois de tous nos, aucun de nos attaquants ne connaîtra la Ligue 1, quoi. Donc c'est ouais. Après, on a quand même un joueur qui a eu une vidéo de lui qui est sortie il y a quelques mois là. Mais le recrue, bon, on va pas dire ce qui se passait dedans, mais. Ouais, mais c'était pas un viol non plus. C'était son problème à lui, à la limite, tu vois. Il fait, ouais, fait ce qu'il veut avec ce qu'il a, tu vois, mais après. Ah, faut, ça, c'est ce qui s'est passé, que. Il faisait clairement ce qu'il voulait, c'est ce qu'il avait, là. Almada, il a eu la même histoire que Pavon, après. Hein. Ah, ouais, Almada, bon, après, les gars, restons un peu dans le sujet, on va peut-être pas non plus débattre. C'est pas. Non. Ouais. Bah, bon, ouais, c'est ça, on va pas commencer à faire des débats parallèles bizarres. Après, on va avoir des problèmes. mais je suis d'accord avec vous, si le mec a des histoires sombres derrière lui, est-ce que c'est pas se compliquer la tâche? Mais moi, il y a un mec sur Twitter qui m'a fait beaucoup rire. Je dédicace à lui s'il se reconnaît. Quand l'OM a mis qu'ils étaient sur Pavon, il a mis en dessous. Mais du coup, on va faire un élevage d'élite ou comment ça se passe? Et ça m'a fait beaucoup rire. Donc voilà, je vous souhaite une petite. Ah ouais, élevage d'élite. Ouais. Après. Avoir plusieurs idées de qualité, c'est pas forcément négatif. Non, bien sûr. On va jouer l'Europe. Alors, il faut mettre un débat parallèle. Justement, si on l'a entraîné, ça veut dire que Sampaoli va changer de tactique. Parce que habituellement, les seuls alliés, c'est les latéraux. C'est à ma vie, enfin, pas trop à ma vie, vu qu'il n'a pas trop joué. Mais... Donc, ça veut dire soit il va changer de tactique, soit les latéraux auront moins d'importance. Mais je pense plutôt qu'il va changer de tactique. Il l'a dit en conférence de presse que. S'il voulait faire, lui, c'était 4-3-3 ou 4-2-3-1. Donc oui, on aura besoin d'ailier, hein. On aura besoin de Narakies, on aura besoin de Konrad. Wunder est potentiellement pas bon. Hein. Le problème, c'est qu'il parle de 4-3-3 et 4-2-3-1, mais sur la préparation, on joue à 3 défenseurs. À part, on faisait tout comme Servette et on a marqué 2 buts. Et on a énormément de défenseurs centraux aussi. Ouais, ça c'est fou, ouais. Ça. On a une équipe de défenseurs centraux, c'est incroyable. Ouais. On en a 4, dont 1 qui. Enfin 5, dont 1 qui devrait partir, donc 4 finalement. Même 2 en vrai, parce que Douillet va se barrer aussi. Parce que moi je compte pas. On a Balerdi, Alvaro, Saliba, Luan Pérez. Ouais, et ça. Et Kaleta Tsar. Et Kaleta Tsar devrait partir. Ouais. Ouais, et ouais, le 5e, ça va sûrement être un jeune du centre de formation, donc tu vois, ça nous en. Donc ça fait quand même pour 5 défenseurs. À mon avis, 3 quoi. Mais après, c'est vrai que j'avais entendu ce que tu viens de dire sur Sampaoli, qu'il avait dit qu'il n'hésiterait pas à changer, et pourquoi pas mettre un système à 4 défenseurs. Mais au vu du recrutement, le nombre de défenseurs centraux, ça me fait dire qu'on va rester à 5, mais le nombre d'ailiers, ça me fait dire qu'on va changer. Donc après, c'est compliqué. Non, mais moi, je pense qu'avoir 4 défenseurs centraux, c'est normal. Hein. Camardine, il sera vraiment là pour faire le nombre. C'est avoir 4 défenseurs, c'est avoir 4 possibilités à ce poste-là et être capable d'aligner plusieurs charnières différentes. On l'a vu, Lyon, c'est ce qu'ils ont très bien fait depuis 2-3-4 saisons avec Denayer, Marcelo, Diomandé. Il y avait Morel à une époque qui rentrait dans ça, il y avait Nkoulou. Voilà, ils ont toujours réussi à associer les joueurs, peu importe qui ils étaient, à avoir de la réussite.
Et c'est ce genre de truc, je pense que Sampaoli, il a envie de se dire, peu importe les joueurs que j'aligne dans ce match-là, il faut que l'équipe soit compétitive. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs joueurs de qualité à tous les postes, et c'est aussi pour jouer la Coupe d'Europe. Je vois très bien ce que tu veux dire, mais le problème, c'est qu'on n'a peut-être pas mis des profils adaptés à ça. C'est-à-dire que si tu mets Diomandé sur le banc à Lyon, il va pas trop poser de problème, parce que c'est pas un gars qui a été trop titulaire dans sa vie, quoi. Enfin, je connais même pas trop sa carrière. Mais pareil pour Ben Larmi, là, l'Algérien. Il a pas joué de la vie. Voilà. Mais tu mets Saliba sur le banc, je peux te dire que ça va pas être la même chose. Pareil pour Berdy, etc. Donc, C'est justement le but, je pense, c'est de les faire jouer tous à peu près le même nombre de matchs, en tout cas selon les compétitions. Voilà, on aura sûrement une charnière pour l'Europe, une charnière pour la Ligue 1, qui tournera selon les suspensions, blessures, etc. Voilà, on est à l'abri de rien, on n'est pas à l'abri qu'Alvaro se pète ou qu'il se suspende 10 matchs parce qu'à tout moment il sort un tacle. Tu vois, c'est ce genre de truc. C'est pour moi, avoir 4 défenses centraux de qualité, c'est vraiment primordial. Sachant que Luan Pérez peut dépanner sur le côté gauche, c'est pour l'instant la doublure d'un avis. Pour moi, c'est ça pour le moment. Et moi, j'avais une petite question, les gars, parce que là, on parle beaucoup de système sur la défense. Là. On a recruté quand même Pérez, Balerdi et Saliba. Mm-hmm. Enfin, Saliba arrive quand même comme un, je dirais pas un patron, mais c'est un joueur d'expérience en Ligue 1, malgré son jeune âge. Est-ce que vous voyez quand même rester titulaire toute la saison ou être sur le banc, faire des matchs sur le banc, ou je sais pas, ou quelque chose? Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse d'ailleurs, de savoir ça. Je suis comme toi, on est dans l'inconnu. C'est intéressant, il a que 19 ans et en même temps, il n'a pas de son achat. Donc je me dis, s'il vient, c'est quand même pour jouer. Et d'un côté, il y a des joueurs de qualité à côté de lui. Ça va être intéressant de voir la gestion de ces quatre-là, et notamment de William Saliba. Mais du coup, toi, tu fais quoi, Sam? Toi, tu le mets titu avec Luan Pérez, tu le mets titu avec Alvaro, tu ne le mets pas titu, qu'est-ce que tu fais? Moi, si je devais commencer la saison tout de suite sans Tsaletatsar, mettons que Tsaletatsar est parti, la première charnière que j'aligne, je pense que c'est Saliba Alvaro. Sans voir ce qui se passe à l'entraînement, voilà. C'est Saliba Alvaro ou Luan Pérez Alvaro, et selon la prépa de Balerdi. Aujourd'hui, c'est impossible de savoir, c'est très dur. Balerdi, il a fait un très mauvais match dans ce premier match de prépa, mais il a été très bon dans le deuxième match. C'est un joueur à un instant, c'est des mecs qui sont capables de. Enfin, oui, je sais que t'aimes pas Balerdi, mais. Comment tu fais? Quoi? Il était auteur de très bons matchs chez nous. Pas moi, de très mauvais matchs. Ah bah oui. Ah bah Quentin, regarde contre le FC Porto, regarde contre Saint-Etienne, si tu veux, je te fais une liste, hein, pas de galère. Regarde si tu veux. Oui, mais c'est bien beau, mais là, tu vois, le mec, il avait combien de matchs en professionnel avant? C'est ça qu'il faut se poser comme question, c'est tellement dur, défense centrale. Non, mais je suis d'accord avec vous, moi, je trouve que c'est un défenseur propre. Franchement, il fait des boulettes, mais dans ses interventions, je trouve que c'est un défenseur propre. Non, mais d'accord, même contre Nice, même, j'ai oublié, même contre Nice, il fait une dinguerie. Non, mais à un moment donné, alors il est propre, je suis d'accord, mais à un moment donné, défenseur central, tu dois être dur sur l'homme, tu dois jouer avec ta tête. Je veux bien qu'il ait pas beaucoup de matchs en pro, mais tu sais, à un moment donné, t'as une expérience, t'es à l'OM, t'es pas je sais pas où, tu dois avoir les épaules pour y arriver si tu n'arrives pas à voir. T'es en train d'apprendre. Non, mais... Plus, ouais, il est en train d'apprendre. Alvaro est là. 21 matchs cette saison, ça va, hein, 21 matchs, c'est pas non plus. Un truc de fou, hein. C'est un mec en 21 matchs, il a été, je crois, bon, c'est pas les valeurs les plus compréhensibles du monde, mais Balerdi, 4-5 fois dans l'équipe type de la semaine en Ligue 1 selon l'équipe, qui est le journal de référence sport. C'est pas n'importe quoi. En 21 matchs, sachant que dans les 21 matchs, il n'y a pas que de la Ligue 1, quoi. Tu vois, c'est ça que Excuse-moi, mais depuis que Sampaoli est arrivé, Balerdi, enfin, il a été quand même très mis en avant. Il n'a pas eu beaucoup de concurrence à part Perrin. Dans une défense à 3, il a été tranquille. Mais contre Nice, il s'est fait manger. Contre Nice, il s'est fait manger. Il n'a pas eu de concurrence pour l'aider à se surpasser. Non, mais contre Nice, il s'est fait bouffer quand même, Balerdi. Oui, mais il n'a pas eu de concurrence pour l'aider à se surpasser. Je veux dire que ça aussi, ça aide d'avoir une concurrence. Hein. Moi, je pense que Balerdi va beaucoup apprendre quand même avec Saliba aussi qui arrive, parce que Saliba, c'est un gars qui a de l'expérience et qui a beaucoup à apprendre à Balerdi. En fait, c'est un mec qui va apprendre, et quand il sera très, très au fait de tout ce qui est tactique, de tout ce qui est les recommandations du poste, c'est un poste très, très compliqué. Défense centrale, tu fais une erreur, il y a but.
Ah oui. Voilà, Balardi est un mec qui fait des boulettes, mais est un mec qui fait aussi des excellents matchs. Et dans le même match, il peut te faire un excellent match et une boulette. Et c'est aussi ça que je pense que les gens ont du mal à concevoir, c'est qu'on est très exigeant. Et on a raison d'être très exigeant. Mais en même temps, voilà, c'est un mec de 20 ans, 21 ans. Il a le droit de faire des erreurs. Non, mais bien sûr. Il y en a qui coûtent cher. Celle qu'on porte coûte cher. En même temps, on n'était pas non plus bien embarqué dans ce match au moment où il fait la boulette. Je trouve qu'on lui reproche des trucs personnellement, enfin individuellement, sur des naufrages collectifs aussi. Après, c'est pas l'air d'effet des boulettes, c'est qu'il est mis dans les meilleures conditions aussi, tu vois. Non, non, c'est, mais je suis d'accord avec toi. C'est un tout. Il y a très peu de joueurs qu'on peut ressortir en positif. Je suis d'accord avec toi. Non, mais juste, on va conclure sur Balerdi parce qu'on va pas y passer 3 heures. Mais regarde, contre Nice, il fait une énorme dinguerie. On revient, boum, on perd. Sainté, pareil. Enfin, tu vois, c'est moi ça que j'ai du mal avec. J'ai du mal avec, comme tu disais, dans un match, il passe par différents. Il a des sauts. Il a des sauts de concentration qui sont énormes, tu vois, et il faut qu'il progresse là-dessus. Mais moi, je souhaite qu'il réussisse et qu'il me fasse fermer ma bouche et qu'en fin de saison, je me fasse floquer Balerdi sur le maillot de l'OM. Tu vois, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais moi, j'espère juste qu'il va progresser, tout simplement. D'ailleurs, petite anecdote, contre Nice, je me rappelle trop bien son match, je me rappelle qu'il était tellement bon qu'il s'était battu avec un joueur niçois et il me semble que c'était Saliba le joueur niçois. Mais peut-être que je me trompe pas. Des belles retrouvailles. En commentaire, dites-nous si vous avez souvenir de cette altercation. Bon. Dites-nous si c'est bien. Dites-nous qui a gagné surtout. Non, je rigole. Et donc du coup, on va passer. On va passer. Donc moi, je voulais juste qu'on fasse un petit. Mais du coup, comme ça, on en a parlé sur Pavon. Maintenant, on va parler un tout petit peu de Boga. Après, on présentera le dernier joueur qu'il a présenté. Mais moi, j'aimerais vraiment, sincèrement, qu'il puisse venir à l'OM parce que c'est un Marseillais. Il a vraiment, vraiment envie de venir. Donc je pense que si on a des liquidités, il faudrait peut-être aller le chercher. Ouais, c'est c'est pareil. C'est pareil, c'est un genre de côté. Ouais. Après, par contre, on va pas comparer Boga et Pavone. Mais pareil, on peut se poser aussi la même question. Est-ce qu'il y a trop d'ailiers? C'est une valeur sûre, Boga, quand même. Contrairement à Pavone, l'argent. Ah, c'est super direct avec Conrad en doublure. Après, ouais, c'est ça. En fait, j'ai quand même l'impression, en tout cas, si on recrute et Pavone et Boga, on aurait 5 joueurs au poste d'ailier. On aurait peut-être un qui pourrait évoluer en tant que 10. Boga, je pense qu'il peut avoir ce rôle aussi dire. Numéro 10 en doublure de foyer. Mais c'est sûr qu'avec 5 ailiers, il y en a un qui va sur la touche. Et ça, je pense que Conrad serait ce joueur. Alors que c'est dommage, il est bien rentré en prépa. Moi, je trouve qu'il a montré des belles choses, il a le feu dans les jambes. Ah ouais. Donc ce serait vraiment dommage de le mettre sur le banc en ce moment. On va voir pour des équipes un peu plus. Là on va affronter Braga et Benfica, on en saura déjà un peu plus sur ces joueurs là parce que. Moi aussi j'aime bien Conrad, il a l'air sympathique, il a l'air bon, mais faut pas exagérer non plus, il a que 18 ans, rappelons 19 ans maintenant. Il est 19 ans. Bon voilà, arrêtons, on va pas s'enflammer, il est pas titulaire. Il est clairement pas titulaire. Et c'est pareil que Balerdi, il a aucun match en pro. Quoique même le Barça B, je crois qu'ils sont en 3ème division ou un truc comme ça. Donc, Après, Conrad a une rentrée en Ligue des Champions. C'est clair. Mais en tout cas, franchement, Boga à l'OM, moi je le signe dès demain parce que c'est un super joueur. Mais malheureusement, il y a de la concurrence sur ce dossier. Et Sassuolo sait qu'ils tiennent un très bon joueur et à mon avis, ils le braderont absolument pas. Ouais, mais il a l'air quand même d'avoir très très envie d'aller à l'OM, vu qu'il vient de la région et que qu'il est fan du club. J'ai quand même l'impression que s'il doit partir dans un club français et que Marseille est vraiment sur le joueur, on tient la corde. Mais Marseille, je pense que... Vas-y, dis-moi. Et je pense que Maxi Lopez aide aussi. Hein. Il fait du... Ah, mais bien sûr. Mais Maxi Lopez, il fait du lobbying. Je pense que Lopez est là pour... Il fait du lobbying, Maxi Lopez. C'est notre directeur sportif de Sassuolo. Bien sûr. Mais attendez, mais gars. Intérêt en tout cas. Non, vas-y, Tom. Non, je disais juste que Maxime Lopez vaut mieux qu'il fasse la pub pour l'OM que pour Sassuolo. C'est clair. Ouais. Je serais sûr que Boga signe à Lyon, je vous dis honnêtement. Non, moi apparemment, il y a l'Atalanta. L'Atalanta est dessus, donc ça va être un peu compliqué de lutter aussi avec l'Atalanta. Ouais, ils sont là pour nous faire chier de toute façon. Mais si à l'Atalanta ça va, mais si maintenant, enfin franchement, je serais vexé. Ouais, moi aussi. Je veux pas mal à l'avion. Non. Il y a des rumeurs qu'il envoie le ventre.
Non, oui, moi, ce que j'avais vu, apparemment, ils ont flashé sur le joueur et il y a des, et oui, il y a des grosses rumeurs qu'il envoie là-bas. Après, si lui a le choix entre l'Atalanta et l'OM, bon, peut-être qu'on, le seul avantage que eux ont et pas nous, c'est qu'ils jouent le LDC. Non, mais attendez, il ne faut pas exagérer, l'Atalanta c'est quand même un club de référence en Italie. Ça fait 3-4 ans qu'il est beaucoup pas. Je peux vous dire que l'Atalanta en Italie c'est un club qui a une très très bonne réputation. Donc, c'est incroyable, hein. Même en Europe maintenant. Ah oui, non, mais attends, mais bien sûr. Mais moi, je pense qu'il m'appelle, je me pose des questions, tu vois. Moi, entre l'Atalanta et l'OM, aujourd'hui, si je ne suis pas fan de l'OM, je vais à l'Atalanta. C'est sûr. Ils t'ont appelé ou pas du coup? Après, ils m'ont laissé un coup de fil, mais j'ai dit non, parce que j'ai d'autres clubs qui m'ont laissé un coup de fil. Aussi, tout dépend ce que tu veux dans ta carrière. Soit tu peux, c'est bon, t'en as plein le cul, tu te dis, allez, c'est bon, je vais avoir des émotions, je vais me régaler. Donc là, tu vas plus à l'autre que c'est un club d'émotions. Et si, par exemple, tu veux avoir une vraie évolution de carrière, là, tu tires la Talenta. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. La Talenta, quart de finaliste de Ligue des Champions, 8e de finaliste l'année suivante. Je pense que tu as envie des émotions. C'est ouais, mais c'est pareil, ils n'ont pas le même public, ils n'ont pas la même popularité que club comme l'OM. Ça, c'est pas mal. Hein. Bon, messieurs, on va clôturer sur Boga. Nous allons passer sur le dernier joueur que Quentin va nous présenter. Quentin, nous t'écoutons. Avec attention. Alors, moi, j'allais un peu dans le contresens du sondage de tout à l'heure. Je vais vous présenter un défenseur central. C'est beau. Je vais vous présenter, du coup, Ismaël Doucouré. Un petit jeune de 17 ans qui joue à Valenciennes. Donc, après, j'ai pris ce joueur parce que c'est plutôt pour préparer l'avenir. Parce qu'on a Alvaro qui est pas très loin, qui va bientôt finir. Et surtout pour rentrer dans la hiérarchie. Parce que je pense que Tchadiat, ça va partir. Donc, il arrivera en 5e. Donc, ça veut dire que Camarda redescendrait. Donc, pourquoi lui? Parce que déjà, c'est un petit jeune de 17 ans qui commence juste en professionnel, qui a fait des bonnes apparitions en Ligue 2. Donc, c'est 22 matchs, 19 en Ligue 2 et 3 en Coupe de France. Sa valeur marchande, il est au plus haut de sa carrière, donc 1,20 millions. Donc, c'est quand même un petit prix. Il est déclaré comme un. Avec des similitudes comme Dayot ou Mécano. Ok. C'est une mentalité de travail, parce que c'est un joueur qui adore s'entraîner d'après son ancien entraîneur. C'est un petit gabarit, par contre, c'est 1m82. Il a, par contre, on dit qu'il a quand même des qualités techniques supérieures pour son âge. C'est un joueur qui arrive très vite à s'adapter à une défense à 3 ou à 4. Il a déjà joué côté gauche, donc comme Pérez, donc il pourrait dépanner, voilà. Et puis il a déjà été capitaine, parce que c'est une personne qui travaille beaucoup et qui aime bien être gérer l'équipe et pouvoir donner de la voix. Il sait replacer sa défense. Et puis après, j'ai pensé surtout à l'avenir parce qu'un jeune comme ça, c'est difficile d'en trouver. C'est surtout des Français en Ligue 2, Ligue 1. Et on sait que quand t'as une grosse nation, c'est plus facile à vendre plus tard, surtout si ça marche. Et du coup, je pense que Doucouré serait très bon pour entrer en 5e défenseur et pour apprendre surtout avec des bons défenseurs à côté qui connaissent la Ligue 1. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous connaissez le joueur, si vous l'avez déjà vu jouer. Alors moi, j'ai aucune connaissance du joueur. Par contre, avoir un jeune de 17 ans que tu qualifies comme un très très bon joueur et un joueur en devenir, ça m'intéresse beaucoup. Après, est-ce qu'il a le niveau, par exemple, pour prendre la place d'un 5e défenseur par rapport à un Camardine qui est là depuis plus longtemps, qui semble quand même toquer à la porte des pros, il a le contrat, il a eu quelques temps de jeu en amical, il a pris la place de Lucas Perrin dans la hiérarchie marseillaise. Est-ce que ce serait avantageux pour l'OM de prendre Doucouré par rapport à Camardine? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Mais justement, je vais essayer de répondre. Pour moi, la place du 5e défenseur, pour moi, elle doit être réservée qu'aux joueurs formés à l'OM. Non, d'accord, toi. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, je recrute un joueur qui n'est pas du centre de formation de l'OM ailleurs. Et qu'est-ce que je vais dire derrière à Camardin, etc., qui attendent cette place, qui sont dit, ah, c'est bon, Perrin, il est parti, donc la place, elle est pour moi. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais leur dire, ah, mais finalement, et au final, ça donne une mauvaise image pour les autres pensionnaires du centre de formation qui se disent, ah, mais au final, c'est bouché.
parce que là il y avait la place pour un joueur sans formation, mais au final il préfère encore prendre à l'extérieur. Pour moi le, mm-hmm. 5, le on va dire la place du cinquième défenseur, c'est un joueur qui va jouer très peu, dans l'objectif il va jouer 5-6 matchs, voire un peu plus dans la saison, donc voilà, autant le faire un joueur de centre de formation. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Ça donne une mauvaise image si on recrute un cinquième défenseur. Après, il n'y a aucune rumeur sur lui. J'ai vu aucune rumeur qu'il envoie à l'OM. Mm-hmm. Il est même pressenti pour peut-être aller à Lens. Pour pas le départ de Badé vers Rennes. Mais ouais. C'est un joueur que je me dis vraiment, si tu dois y aller, si tu dois tenter un pari, il faut aller sur lui. Tu vois, c'est un petit jeune. Il a 17 ans. Il connaît la Ligue 2 maintenant. Il a joué pas mal de matchs à son âge. Et... Est-ce que c'est pas plutôt le genre de joueur que tu achètes et que tu prêtes pour la foulée? Sinon tu le prêtes. Après, j'ai vite fait vous parler parce que j'ai marqué les caractéristiques qu'on lui donne. Mm-hmm. Donc on parle quand même d'un joueur avec une grosse relance longue et courte. Donc il sait ressortir le ballon. Ce qu'on a besoin à l'homme parce qu'on a vu qu'en Ligue des Champions. Je parle pas dans Ligue des Champions direct, mais vu des problèmes. Quoi. très bon dans des duels aériens. Et sur les coups de pied arrêtés avec un jeu tête intéressant où il a su débloquer des situations déjà en Ligue 2. Donc voilà. Bah écoute, si jamais l'OM se positionne. Bah écoute, ouais, ce sera. Mais Quentin, il me semble qu'il fait les JO, non? Il est pas sélectionné pour faire les JO avec l'équipe de France? Si, ben voilà, c'est ce que je voulais vous dire aussi. Si vous voulez le voir, les joueurs, ils jouent avec les JO. C'est ce que je me disais. Il a été sélectionné, pas par dépit, parce que voilà. Bah oui, voilà. Après, c'est ce qu'il y avait derrière. De base, c'était quand même costaud en JO. C'est ça. Mais après, moi, franchement, en vrai, les JO, ça peut être une très très bonne compétition pour s'aguerrir. Hein, parce que mine de rien, il y a des grosses nations et à voir, hein, en vrai de vrai. Parce que là, on rigole, mais ça peut être intéressant de jouer contre des nations et avec des joueurs d'expérience comme Gignac et Thauvin. Il est avec Dédé, ouais. Il va lui parler de Marseille et Thauvin, il va pas lui, il va lui dire eh, tu peux pas aller à la pêche et tout. Il va lui vendre le truc. Mais en plus, je crois que parler de pêche c'était faux. Ouais, je crois que c'était pas vrai. Il a dit c'était trop plus tard. Il a dit pêche, mais il a pas dit ça, donc au final. Ah, mais petite information, il a la double nationalité aussi. Hein, le Courrier. Franco-Ivoirien. Comme Boga. Ouais, comme Boga. Donc c'est parfait, on prend les deux. Bogas. On fait un lot. Et bien écoute. Bon, messieurs, il est 22h02. On est quasiment à l'heure pour lancer le sondage. On va voir qui a gagné la serviette pour pour pouvoir bronzer tranquillement et pouvoir se sécher. Cet été. Couleur de l'OM, exactement. Donc déjà, merci à tous ceux qui ont participé dans le chat, qui ont écrit le mot cadeau. On va voir, l'un d'entre vous va être tiré au sort. Merci à tous, vous avez été très nombreux à nous suivre encore une fois pendant ce live. Ça fait énormément, énormément plaisir. Vous donnez beaucoup de force au projet et nous vous en remercions. Donc voilà pourquoi nous aussi, on essaye aussi de faire plaisir en vous en gagnant des cadeaux chaque semaine, divers et variés. Et n'hésitez surtout, pas à vous seul pour nous tenir. Alors, le gagnant est... Sam, est-ce que tu vas annoncer le nom du gagnant ou je m'en charge? Je peux l'annoncer si c'est ce que tu veux. Alors, le grand gagnant de la grande, magnifique serviette couleur de l'Olympique de Marseille pour vous sécher et pour bronzer, comme il a très bien dit Tristan. Et pour pécho. Couleur de l'OM. Bleu et blanc, évidemment. Voilà, il est là depuis le début du live. Et on voit à l'image qui détient la coupe dans les bras. Le vainqueur, c'est Fiansoff. Bravo à toi, Fiansoff. Nous allons te contacter. Enfin, si tu peux nous envoyer en privé sur Twitter un petit message pour nous dire que c'est toi le gagnant. Bravo à toi, Fiansoff. Tu es le grand vainqueur. De cette serviette magnifique que nous allons t'offrir. Merci beaucoup, très bravo Fiansoff, tu as été l'heureux élu, tu as été tiré au sort, très bien joué à toi. Et voilà, mes amis, c'est déjà l'heure de nous quitter, c'est passé super vite cette heure, j'ai trouvé.
Ouais, c'est passé extrêmement vite. Ouais, c'était sympa, c'était non, sympa. Il y avait des gens de qualité, il y avait un plateau Ligue des Champions, c'est pour ça que c'est passé vite. Bon. Ah, c'est trop gentil. Bon, bah écoutez les je amis. Je suis le tout pourré des chroniqueurs. Merci beaucoup les amis d'avoir été avec moi pour animer ce live. Merci à tous nos abonnés qui nous ont suivis fidèlement encore une fois. On se retrouvera très 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 bientôt, normalement mercredi, pour débriefer le match de l'Olympique de Marseille. Donc soyez connectés. Face à Braga. Exactement, face à Braga et le club portugais. Donc merci beaucoup encore une fois à tous de nous avoir suivis, d'avoir échangé et donner vos avis pendant ce Mercato. Il y en aura tout au long de l'été, donc n'hésitez pas, ça va être votre rendez-vous un peu quotidien, peut-être pas du dimanche soir, parce qu'avec en fonction de la reprise de la Ligue 1, il faudra qu'on s'adapte, mais en tout cas, ce sera votre rendez-vous avec tout au long de la semaine, donc n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à nous donner de la force et à vous abonner. Très bonne soirée, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ciao.